Bravo les éléphants, bravo le coach, bravo à toute la nation ivoirienne. Merci pour cette coupe que vous nous avez ramenée. Merci pour cette troisième étoile. Nous sommes fiers de vous, nous sommes fiers de ce parcours. Alors aujourd'hui, j'aimerais revenir un peu sur le parcours du coach Faye. Bien vrai que ce soit un grand tacticien sur le terrain, dans ses chemins tactiques et tout. Mais je ne sais pas si tout le monde a fait cette remarque-là. Vous savez, ces choix tactiques ont débuté depuis les différentes conférences de presse d'avant-match. Je m'explique. Tout d'abord, après la défaite 4 à 0, on s'est remis en cause. Oui, nous sommes repartis de zéro. Alors, le coach Faye a pris les rênes de l'équipe nationale. Mais remarquez bien, le match contre le Sénégal, la conférence de presse d'avant-match, le coach Faye est venu avec qui? Serré Jean-Michel. Le jour du match, le lendemain, on va dire, Serré Jean-Michel fut l'homme du match. Nous sommes passés à l'étape suivante contre le Mali. La conférence de presse d'avant-match contre le Mali, le coach Faye est venu encore avec qui à la conférence de presse? Yaya Fofana, le gardien. Pendant le match, Yaya Fofana a brillé encore de par son arrêt du pénalty contre le Mali. La qualification. Ensuite, nous avons joué contre qui on va dire le Congo, la RDC. La conférence de presse d'avant-match contre la RDC, le coach Faye est revenu en conférence avec qui? Max Gradel. Et pendant le match, Max Gradel, c'est lui qui offre le but à l'heure par son centre. Après ça, nous passons à qui? C'est la finale. La finale contre le Nigeria. Le coach Faye encore revient en conférence de presse avec qui? Avec Sébastien Haller. Qu'est-ce qu'on constate? Pendant la finale, c'est Sébastien Haller qui marque le but de la victoire. Vous voyez? Pour dire que le coach Faye est tacticien bien avant le match, sur le match, après le match, c'est un tacticien né. Merci Faye. Merci pour ce que tu fais pour la Côte d'Ivoire. Et merci pour ce que tu as fait pour la Côte d'Ivoire. Et merci encore pour ce que tu feras pour la Côte d'Ivoire. Merci Faye. Merci pour tout. Et chapeau. On se revoit au Maroc pour la prochaine CAN. Qu'est-ce que tu en penses?